Bon matin tout le monde. À matin, ben on quitte notre petite qu'on a couchée cette nuit. Avec Adélaure qui va devenir mon caméraman délégué le temps qu'on s'en revient de bord. Puis je vais vous jaser ça en procédant. En essayant de ne pas arracher la roche. Je sais pas si on la voit dans le rétroviseur, là, mais. Ouais. On s'est faufilé entre deux grosses roches. Entre deux grosses roches, plutôt entre une roche puis un talus. Fait que là, faut qu'on recule. En même temps, le sol n'est pas tant facile à gérer. C'est du sable. Puis faut pas spinner puis rester pogné là. Fait que là, ben, on recule ça. Puis après ça, on s'enligne sur Kegaska. On est déjà là, mais on va aller voir qu'est-ce qu'il y a dans le petit village. Peut-être faire un arrêt à l'épicerie pour encourager l'économie locale. Puis après ça, j'ai comme objectif d'aller coucher dans un spot qu'on a passé direct en montant. Dans le fond, c'est qu'en descendant, on va aller voir ça à Havre-Saint-Pierre. On s'en va là tranquillement. C'est cette roche-là qu'il faut pas qu'on pogne. Tandel! Ah. Oh, le bol est à l'eau. Le bol de quoi? Un petit chien. Je trouvais pas mal. Tu penses que je l'ai écrasé? Non. Ah. Ça se passe bien à date, à part qu'on écrase un bol. Fait que là, on va essayer d'y aller plus mollo à sa pédale à gaz. Fait que le but, c'est d'y aller tranquillement, pas vite. De toute façon, on n'est pas à course. Mais même en y allant pas vite, ça tape quand même des fois. Il y a du beau gros cap un peu partout, c'est plaisant. Ah, c'est peut-être ici qu'on a accroché. Attends, on va vous montrer ça, ce beau petit chemin-là. Moi, j'aurais tendance à rester dans les dessus, pas d'aller dans les trous. Ouais. Là, il y a une chance. Ah, ouais. C'est une roche à éviter. Mais là, on va y aller mollo. Puis on écoute. En plus, cette nuit, t'es mouillé un peu. Ça fait qu'il y a quelques petits trous d'eau, mais ils sont pas profonds. On a pu essayer le produit qui nous a été vendu chez BMR, qui est vraiment spécialisé pour les toiles de tente-roulotte et compagnie. On peut dire que c'est un produit vraiment efficace. Ah, un crime, son cam. Son smat, ils nous ont même installé une poubelle pour nos déchets. Le bien qu'on arrête, on a failli passer direct, faire la classique photo qu'on est arrivé au bout de la 138. Là, c'est. Vous allez voir pourquoi que c'est le bout. C'est ça ou c'est directement dans le fleuve. Ouais. Fait que là, on est comme. Des quatre roues en masse. Comme Adèle a dit, on est comme en plein milieu de la place, mais on peut pas faire autrement. On est titre pour ça. De toute façon, je pense que la gang qui est ici, on dérange pas grand monde. Thank you.
Ouais, ben là, on a pris la belle petite photo classique là, que tout le monde prend quand on arrive sur le bout de la 138. C'est cool. Mais là, on est vraiment rendu au bout du bout. On pourrait persister un peu, là. Tu sais, on voit, là, il y a de la. On peut y aller, mais rendu à un certain niveau, là, il y a trop de sable. Puis, j'irai pas me risquer de rester pogné à l'autre bout du monde juste pour le plaisir d'aller encore un petit peu plus loin. Puis là, c'est pas juste des branches ou un arbre à terre. Là. Quand t'es embourbé dans le sable, là, ça te prend une pelle, ça te prend des traction aids, ça te prend des chaînes, ça te prend 56 000 patentes. Et pas le goût de ça ici. Fait qu'on y va plutôt mollo. Plutôt de manière sécuritaire, mais quand même, on est allé vraiment au bout de ce qu'on pouvait aller, puis c'est quand même plaisant. Mais là, je voulais aller voir un peu ce qu'il y avait au bout du petit chemin. Je vois qu'il y a une traîne de quatre roues là, qui descend vers la plage. D'après moi, c'est un beau petit coin tranquille. Ah, il y a un quatre roues. Peut-être qu'on dérange quelqu'un. On va peut-être pas aller plus loin que ça. C'est juste un pick-up qui s'est stationné, c'est correct. De toute façon, le bord de l'eau, c'est un peu à tout le monde. Puis là, en plus, qu'on est plutôt là, au bout de l'aéroport. No parking. Ouais. OK. Ça, c'est pas tant aisé d'aller voir qu'est-ce qui se passe là. On va aller quand même juste zioter tranquillement. Pas sûr si c'est chez quelqu'un ou pas, mais on n'ira pas déranger le monde qui sont chez eux juste pour le plaisir d'aller explorer leur bout de terrain. Mais comme je disais tout à l'heure, là, on aurait pu essayer d'aller un petit peu plus loin, là, mais c'est avec l'empreinte de mon pied, là, je sais pas si on la voit bien. Ouais. Je pense qu'on s'aurait mis dans le trouble. Parce que le sentier vraiment va bien plus loin que ça, mais c'est peut-être plus pour les pick-up 4 roues motrices ou les 4 roues. Mais quand même, je suis content de ce qu'on a réussi à se rendre cette année. C'est vraiment le plus loin qu'on va avoir réussi à se rendre. Mais en tout cas, en 2020, la route, elle ne peut pas aller plus loin. On est allé vraiment au bout du bout. On est allé réaliser... J'ai réalisé mon rêve de me rendre au bout de la 138 puis au bout du chemin. C'est toujours le même. Okay. Fait que. Ouais. Fait qu'encore des quatre roues partout. On est dans le bois, mais c'est ça, on n'est jamais tout seul. Fait que je vous laisse avec ça. J'ai ramassé dedans. Ah, un crime, quelqu'un de propre. C'est peut-être ça, le service de la ville. Ça prend ouais. Juste des quatre roues. Du gros service de nettoyage, parce que même tout à l'heure, on était sur le bord de l'eau, là, puis il y avait quelqu'un là, avec un trailer qui avait l'air justement à faire un peu d'entretien. Puis même si c'est comme pas tant tagué installation municipale, on dirait que les gens sont quand même fiers, puis ils entretiennent les zones où les visiteurs font le petit tour, même si on fait attention, puis on se ramasse, ils passent quand même en arrière de nous autres, puis ça laisse tout le temps un site qui est vraiment propre. Fait que là, on est rendu au bout du bout. Rendu dans une trail de sable. Pense pas qu'on aurait pu aller plus loin. Fait que je suis bien content de ça. Ça fait qu'on s'en retourne tranquillement pas vite vers Havre-Saint-Pierre. Ça va être de la route aujourd'hui, mais là déjà qu'il faut qu'on sorte de Kegaska, qui est un chemin de gravel. Quand même, il y a de la planche à laver pas mal. T'sais, on roule à 50, 60, 80. Puis même à ça, des fois, il faut descendre à 40 tellement que de la planche à laver, c'est long. Fait que on repasse les routes, on se retourne de bord, puis on va descendre à Havre-Saint-Pierre. Yes, sir! Enfin, l'asphalte! Ah, surtout qu'on passe d'un extrême à l'autre. La planche à laver à la belle asphalte flambant neuve. Ça fait du bien. On est rendu à Natashquan. Quand on a passé hier, il y avait gros du monde qui faisait du kite. Allez vous montrer ça. Je sais pas si aujourd'hui il y en a qui en font.
Ah ben finalement, il n'y avait pas de quête à matin. Mais ils vendent pas bien, bien, c'est bien normal. Mais au moins, il y avait les belles petites maisons qu'on a vues hier. J'ai pris ça en photo. C'est comment ça s'appelait déjà cette petite maison-là? À l'air, les Galets, la maison des Galets? T'en souviens-tu? Ça ressemble à ça. C'était des belles petites maisons qui ont été bien conservées sur le petit îlot qu'il y avait là-bas. Ça fait que ça valait la peine qu'on prenne. Ça valait la peine qu'on prenne ça en photo, qu'on arrête pour ça. Même si Natashquan, tout le monde connaissait comme un haut lieu de la culture québécoise à cause de Gilles Vigneault. Il y a Gilles, puis il y a les petites maisons, puis il y a le monde, puis il y a la petite épicerie. On a arrêté deux fois là, même si c'est petit, c'est quand même un beau point de ravitaillement. Il y a de l'essence, il y a de la glace, c'est rempli de bain de... C'est rempli de choses pour nous dépanner si on a besoin d'aller au dépanneur. Mais c'est un petit peu plus gros qu'un dépanneur, un petit peu plus petit qu'une épicerie. Mais ça nous permet d'encourager l'économie locale parce qu'on essaie à Kegaska, mais le dépanneur est fermé. L'épicerie, restaurant, ça, c'est un drôle de match. C'est, ça aussi, c'était fermé. Peut-être parce que justement, quand on est rentré, mais en tout cas, quand je suis rentré dans la petite épicerie à Natashquan, on se rend compte que c'est peut-être difficile au niveau du ravitaillement. Fait que c'est peut-être ça qui s'est passé à Kegaska, mais c'est des suppositions. Là. Ça, c'est suppositions. Hein. Moi, je suis bon là-dessus, en tout cas. Adélard, moins un peu. Là, quand j'ai commencé à sortir avec Adélard, elle trouvait que j'étais fort sur les suppositions. Je me suis calmé pas mal, mais quand j'ai des scénarios de ce genre-là, je peux pas m'empêcher d'en faire. Fait que je me suis gâté. Je me suis dit que c'est peut-être parce qu'il y avait du trouble sur le ravitaillement ou peut-être que... C'est peut-être juste parce que c'est le jour du Seigneur. Ah, ouais. Rendu là, on sait même pas on est rendu quel jour. Là. On est samedi, on est-tu dimanche? On est dimanche. On est clairement pas lundi. Mais en tout cas, c'est ça qui se passe. Fait que là, on n'a pas pu vous montrer les kites qu'il y avait hier. Hier, c'était pas mal plus venteux. Il devait en avoir 5, 6, 7, 8, 9, peut-être quelque chose de même, là. Fait que, ben, on a manqué ça. On a manqué de vous montrer ça, mais au moins aujourd'hui, on vous a montré les petites maisons. Fait que là, ben, on repasse à la route. On a fini par arriver en quelque part. Puis, on a essayé une couple de petits chemins. Puis là, on s'est trouvé un beau petit coin tranquille, là, sur le bord de la plage. On n'est pas tant sur le bord de la plage. Le char, il n'est pas sur le bord de la plage. Nous autres, si on veut, on prend une petite marge de 2 minutes, puis on est rendu. Bon, on s'est mis un petit peu en retrait. Mais c'est juste là, la plage. C'est quand même un beau spot. Attendez, la petite bière à ma pelle. Ouais. Après avoir fait tant de route, hein. Puis à cette heure qu'on est posé, on relaxe. Attends. Direct à sa toilette. Une place comme un autre pour poser sa bière. Ça fait que sa côte nord, c'est un vrai road trip. Là. Tu roules, puis tu roules, puis tu roules. Puis en même temps, quand tu arrêtes, puis tu trouves un beau spot, sa côte nord, c'est tout le temps des amancheux qui n'ont comme pas de bon sens, tellement que c'est beau. Ouais. Des plages sur des kilomètres, il n'y a presque personne. C'est comme tout est à. T'sais, c'est comme si la plage était à toi, t'es comme si tu étais tout seul. Puis en même temps, ben, il y a comme des compromis à faire. Faut que tu roules pas mal pour trouver ce spot-là. Mais quand tu l'as trouvé, ben, t'en profites. Tu restes là toute la journée. Puis il y a pas tant de monde que ça. Tu sais, les spots où c'est full touristique, mettons, là, que tout le monde sait que c'est là que ça se passe, là, tu sais, comme à Havre-Saint-Pierre. Il y a du monde, mais c'est encore pas si pire. Mais moi, je suis resté surpris encore, puis vous allez m'entendre le dire souvent dans les vidéos sur la Côte-Nord, ben, surtout en 2020. C'est les applications qui nous enlignent sur des beaux spots qui ont été tagués par du monde dans le passé. On arrive, il y a bien du monde. Moi, c'est cette année, c'est ça qui m'a fait,
qui m'a surpris pas mal de voir autant de monde dans des beaux petits spots de même. Mais c'est normal, c'est beau. Puis il y a gros du monde, tout le monde est au Québec de ce temps-ci. Il y en a une gang en Gaspésie, une méchante grosse gang, puis il y a une petite gang à la Côte-Nord. Mais on peut, pour avoir expérimenté l'année passée en Gaspésie, c'était quand même pas mal relax. Puis tu sais, je me suis servi de High Overlander à côté. Puis c'est quand même relax, mais cette année, je pense qu'il n'y aurait pas de plaisir. Puis c'est à Côte-Nord, il y a un peu de monde, mais pas autant qu'on entend parler de la Gaspésie. Ça fait que, tu sais, l'application, le monde, il l'aime bien, puis c'est comprenable. Fait que, là, cette année, on l'a essayé. On s'en est trouvé des coins pas pires avec High Overlander, mais tu sais, il faut savoir qu'il y a du monde. Puis si on veut avoir la paix, ben il faut juste pogner une autre application, puis c'est celle qui tout le monde a sur son téléphone de base sans l'installer, c'est Google Maps ou Plan. Puis c'est là que nous autres, on a trouvé notre petit spot. On a checké... On a checké... c'est pas bien compliqué, là. Nous autres, on y va... Ça penche. Ça fait qu'on regarde, nous autres, on veut coucher sur le bord de l'eau. Ça fait qu'on on glisse notre doigt sur... on grossit la map, puis là, on regarde, oups, il y a une plage. Puis là, oups, on voit une route. Fait que là, on regarde, puis on se light. Il y a-tu un petit chemin? Oups, il y a un petit chemin qui descend, on va voir. Puis là, on grossit, oups, des maisons. Oups, peut-être que là, ici, ça ressemble à une traîne de quatre trous, on va aller voir s'il y a quelque chose qui se passe. On se déplace, on va voir sur place. Des fois, c'est pas... des fois on peut y aller, des fois, on peut pas y aller. Des fois, c'est... il y a un numéro civique, ça fait que c'est une personne qui reste là. Ça fait qu'on va pas, chez les gens si on n'est pas invité. Puis on se déplace de même, là, de ville en ville, puis de petits bouts de chemin à petits bouts de chemin. Puis finalement, on finit toujours par trouver quelque chose. Là. Des fois, ça peut être long. Là. Comme la fois qu'on s'est ramassé sur le chemin Belle, la rue Belle à Galix, pour se trouver une place pour dormir. Je pense qu'il était rendu 9h30, il faisait noir, puis on commençait à désespérer. On était en train de regarder pour coucher dans un parking d'église. Puis on avait l'impression qu'on dérangeait, ça fait qu'on a continué. Puis on est tombé par hasard, puis on ne cherchait pas, là, on est tombé là-dessus par hasard. On était vraiment chanceux, puis il y a une couple de places de même, là, que... on s'est dit qu'on était chanceux d'avoir trouvé ça, là, parce qu'on n'a pas été avec une application où tu tagues ton site, puis qu'il y a des commentaires, puis que tu as des photos, puis tout ça, c'est que tu t'en vas. Fait que ça, c'est vraiment cool cette année. Ça a été une découverte, puis même, là, Adèle s'est découvert un talent aussi, là, hein. On, t'sais, souvent, on se complète dans nos phrases, tout ça. Là, on n'a pas beau en... On télépathise, mettons. Puis là, Adèle, elle recherche de la même manière que moi et Astaire sur Google Maps. Ça fait que j'ai peur de me stresser parce que j'ai un... t'sais, j'aime ça quand des fois, ça se passe un peu à ma manière. Je suis comme ça, qu'est-ce que tu veux? Puis quand je pense que j'ai spoté un spot, puis là qu'Adèle l'a pas trouvé, puis là je l'aide un peu, c'est pas toujours évident, faut qu'on arrête sur le bord du chemin, on s'explique, des fois on chicane un peu là-dessus. C'est tout le temps par rapport aux technologies que moi et Adèle on a des chicanes. Parce que dans la vie quotidienne, moi et Adèle, on se complète super bien, mais à chaque fois, puis Adèle le souligne aussi, si on a chicané, c'est à cause tout le temps de Google. Tout le temps, Google Maps, tout le temps quelque chose de frustrant là-dedans. Cette année, on s'est découvert ça. Que nos frustrations, ils venaient souvent de là, de nos petites chicanes de coupe. On comprend pas nécessairement ce que la map dit. Moi, souvent, j'ai une tête de cochon, ça fait que je me dis que c'est moi qui ai raison, pas la machine. Elle s'est revirée de bord, ça se peut pas. Moi, je dis que c'est par là qu'il faut qu'on s'en aille, puis ouais, ça fait que c'est ça. Bon, je me suis rendu compte que finalement, Adèle aussi est bonne là-dedans. Faut que je laisse aller. Puis, ouais. Fait que là, moi, j'étais sur la route, puis à un moment donné, Adèle a dit, hey, je pense que j'ai trouvé un coin, puis là, moi, je regarde, puis là, parce qu'on avait arrêté sur le bord du chemin. Puis là, Adèle était allée prendre une petite marche, mettons. Puis là, je regarde ça, elle dit, hey, moi aussi, je pense en ai trouvé un. Puis là, elle dit, hey, je pense que c'est le même coin que moi. Ça, c'est Adèle qui dit ça. Je paraphrase. Puis là, on était donc contents d'avoir pensé la même manière. D'avoir trouvé le même coin en même temps. Puis là, ben, on s'est trouvé un talent commun de chercher les spots sur Google de la même manière. Puis ça, c'est plaisant parce que ça l'excite des petites chicanes. Ça, à un moment donné, on finit par se rejoindre au milieu. Mais là, on est vraiment dans la même direction. Ça fait que ça, c'est plaisant.
Et ça l'augure bien pour le reste du voyage. Ça nous a pris quasiment 10 ans pour réussir à se faire un petit setup, pour réussir à faire la recherche de la même manière. Mais à ce temps qu'on l'a, c'est comme le reste. Hein? All in. On lâche pas. Fait que là, je pense que je commence à avoir mal au bras. C'est un signe, ça. Il va falloir que je raccroche. Il va falloir que je vous laisse pour la soirée. Nous autres, on va continuer à relaxer, puis à prendre une petite bière, mais peut-être même deux. Puis on s'étirera pas trop parce qu'on est quand même sur le bord du chemin. On est caché par quelques branches, mais tu sais, on veut pas nécessairement attirer l'attention. Ça fait que, tu sais, le pop-up, on l'ouvrira pas tout de suite. Puis on n'ouvrira pas l'auvent non plus. Je pense qu'on va rester low profile. Puis on est comme caché un peu par les branches. Tu sais, il faut quand même pas faire trop par exprès, là. Puis de se mettre en plein milieu de la place. Puis dire, moi, c'est ici que je couche. Tassez-vous, tassez-vous. Tu sais, vous voyez, on est comme un peu caché. Légèrement. T'sais, on aurait pu s'installer direct sur le bord de la petite croix qu'elle a, là, puis borderer tout le monde avec notre gros setup. Comme j'ai vu tout à l'heure, on est allé sur le bord, justement, le petit coin qu'on... Moi et Pedel, on avait vu. On s'est dit, on va aller voir au bout du chemin. On arrive, bon, ben, il y avait déjà un char de parquet en diagonale parce que le chemin était vraiment pas grand. Puis la plage était direct à côté. Tu avais à peu près 10 pieds de terre, le chemin... Puis c'est ça, il y en a qui s'est reculé un peu en diagonale, puis qui étaient en train de se baigner tranquillement, pas vite, là. Puis on a persisté un petit peu, on a dit, il y a peut-être d'autres coins. Puis on arrive, il y avait un parking, mais le parking, c'était un gros Winnebago qui était parqué là. C'est normal, il n'y a pas de place, tu fais du boomdocking, tu t'installes comme tu peux, où ce que tu peux. Puis à côté, un gros road track, ben un road track, c'est pas si gros que ça. Mais c'est surtout qu'il avait sorti sa dinette de 12 par 12, qui utilisait quasiment le trois quarts du parking. Ça, je pense que c'est un petit peu trop étiré. C'est pas parce que tu as de la place que tu es nécessairement obligé de te prendre la place. C'est parce que là, ça a pris le... T'sais, tout le monde se cherche des petits coins. Puis il y en a qui sont à l'aise de coucher un à côté de l'autre, même si c'est dans le bois, même si t'es pas dans un camping. Puis tu penses que tu vas être seul. Il y en a qui n'en ont pas de problème avec ça. Mais quand tu utilises toute la place, tu permets pas aux autres de pouvoir user de cette place-là qui pourrait être éventuellement disponible. Nous autres, c'est clair qu'on aurait cédé la place. C'est pas notre setup, nous autres. On aime ça avoir du lousse autour de nous autres. Puis on va chercher jusqu'à temps qu'on ait trouvé notre setup. Comme hier, là, même si une dizaine de véhicules, ça dérange pas. Là, on a chacun notre petit coin, on a une grosse bulle autour de nous autres. On se dérange pas un puis l'autre, mais quand t'es un au-dessus de l'autre, il faut quand même se donner du lousse. Là. Puis l'autre, ben, il avait pris la place de quelqu'un là avec sa grosse tente, malheureusement. Fait que c'est ça, des fois, c'est des setups comme ça qui fait que ça crée de légères frustrations, autant pour les vacanciers que pour les locaux. On se dit qu'on fait du boomdocking à de la base, c'est low profile. Tu y vas aussi avec la philosophie leave no trace. Mais quand tu étires ta grosse tente, là, t'en laisses des traces. Ben, rien que l'emplatement de ta tente, c'est quelque chose. Tu sais, t'en prends un petit peu trop. Là. Il faudrait se garder un petit gêne à ce niveau-là. Là. C'est pour ça que quand on peut, on la sort, notre petite toile. Tu sais, on peut se gonter un peu quand même. Là. Mais, tu sais, j'irai pas mettre ma dinette qui prend deux fois la grosseur de mon véhicule comme emplacement, qui empêcherait éventuellement quelqu'un de venir s'installer à côté de moi. Puis, on sait jamais, c'est peut-être quelqu'un qui aime péter de la broue, qu'on passerait une belle soirée. Même si on est un sous l'autre, ça veut pas dire qu'on n'aurait pas de plaisir à jaser de se jaser tout court. Mais quand t'as même pas la chance de venir t'installer à côté de la personne, puis de venir d'y péter de la broue à ton goût, ben là, c'est quoi cette affaire-là? Fait qu'il faut se garder une petite gêne quand même. Là. Surtout de ce temps-ci, là, la place, il n'y en a pas, même dans le bois. Fait qu'il faut être un peu plus compact. C'est pas parce qu'on a un gros setup qu'on est nécessairement, à chaque fois, obligé de le montrer à tout le monde. Surtout, là, comme là, c'était d'une évidence incroyable. Le parking avait à peu près 10 pieds par 20 pieds. Il avait l'espace de 3 chars, puis déjà l'autre en prenait l'espace de 2. Fait que... C'est ça. Mais c'est quasiment une bonne affaire. Parce que moi, ça m'a poussé à aller un petit peu plus loin dans ma recherche. Puis là, je suis tout seul. Là. Puis j'en ai vu des véhicules là, sur la route là, qui cherchaient des petits coins. Puis des petits coins.
ça me surprend, puis ça me surprendrait pas même à ça, qu'un petit peu plus tard en soirée, il y en ait un ou deux qui viennent se parquer à côté de nous autres, puis c'est bien correct. Mais c'est ça. Là, on a été chanceux, je pense. On est arrivés les premiers. On n'est pas arrivés dernier comme hier. Fait qu'on va en profiter, c'est ça. Tout à l'heure, j'avais mal à l'épaule, mais à force de péter de la boue, on dirait qu'on s'en redonne un petit peps. Ouais. Les épaules, ils se renforcissent avec le temps. C'est ça qui arrive. Mais là, je pense que c'est la bonne. Là, c'est là. C'est là que je raccroche, que je vous laisse, puis que je vais continuer à prendre ma petite bière avant qu'elle se dégaze toute, là, puis finalement qu'elle devienne flat. Fait que passez une bonne soirée, puis on va s'en revoir. C'est sûr, on s'en revoit demain. Demain est un autre jour et est un autre pétage de broue. Ouais, j'aime ça, moi, jaser à une petite caméra de même. Belle manière de passer son temps. Bonne soirée.